Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Pangna, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maître. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On ne sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi. Et regarde ce que tu fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi. Le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grands gagnants de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. En Thaïlande, les 10 naufragés restants ont eu des émotions. Ils ont été regroupés par binôme. Wendy, vous êtes avec Gabriel. Ça donne l'appétit. Voilà, les 5 binômes sont constitués. Forcément, 2 d'entre vous seront éliminés au prochain conseil. Go ! Et c'est par paire qu'ils ont participé à l'épreuve de confort. Encore à gauche ! Et toi, à droite ! À droite ! À gauche ! Tout droit, tout droit ! Ici, mon gars ! La victoire, elle est pour... Ouais. Wendy et Gabriel. Wendy et Gabriel se sont ressourcés. C'est démentiel. C'est que du bonheur. Loin de la panique qui s'est emparée de Karine, traumatisée car associée à Pascal. Pascal est la tête à abattre et du coup c'est sûr que je sors bien ça. Elle était du coup en grand danger puisque c'est à 2 que les aventuriers risquaient l'élimination. Cette angoisse a aussi été ressentie au sein du binôme Laurine-Steve, où les nerfs étaient à vif. Ce qui m'a plus énervé dans tout ça, c'est que qu'on me parle de la sorte. De me gueuler, de me parler comme un enfant, en fait, sincèrement, j'ai pas du tout digéré. Laurine et Steve se sont pris la tête, ça prouve que sur le camp, ils amènent des tensions et on n'a pas besoin de ça. En tout cas, si vous allez voter contre moi, au moins dites-le moi, que je sois pas surprise. Un jour du conseil. De toute façon, je crois que pas voté contre toi. Je crois que c'est super intéressant.
Les autres naufragés ont assuré Laurine qu'elle ne risquait rien et que c'était le binôme de Pascal qui était en danger, ceci pour lui faire sortir son collier. Laurine est très proche de Pascal et du coup, le but étant que Laurine dise à Pascal qu'on va voter contre lui pour que lui sorte son collier d'immunité. Mais Laurine n'a pas été totalement dupe. Depuis hier, c'est trop énorme. Ils crient tous. Ouais, on vote Pascal, on vote Pascal, on vote Pascal. Ils font ça pour que je sorte mon collier si j'en ai un. Et derrière, on sort Laurine ici. En tout cas, dans le doute, Pascal a sorti son collier au conseil. Pascal, en jouant ce soir votre collier, c'est votre binôme qui est assuré de ne pas être éliminé. Mais les votes étaient en fait dirigés contre Laurine et Steve. Laurine. Normal, puisque certains savaient pertinemment que Pascal avait bien un collier. Vous saviez comment ? J'ai été regardé dans son sac quand il est revenu de l'île de Collier, j'ai vu qu'il y avait un collier dans son sac. Vous êtes allé voir son sac ? Oui. Je suis inspecteur de police et j'ai senti qu'il disait faux et je voulais avoir le cœur net et je suis allé voir. C'est vraiment une méthode de vicieux, d'accord ? Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. Il y a la règle morale. La règle morale, vous ne respectez pas. C'est honteux. Pascal. C'est met en péril deux personnes dehors. Pascal, Pascal. Ça change beaucoup. Pour moi, s'il te plaît. Non. Il ne fallait pas qu'il fasse ça. Je ne marche plus à leur table de merde. Ils sont avec des principes à partager une crevette en huit. Ils mettent la main dans mon sac. Tu rigoles ou quoi ? C'est un jeu. T'as pas touché à mes affaires. Mais c'est un jeu. C'est pas du jeu. On joue plus. T'as mis la main dans le sac, il ne fallait pas. Cette révélation a mis hors de lui Pascal. Wendy tente de faire retomber la pression. N'abandonne pas. Mais tu rigoles quoi ? Je vais dormir avec ça, là. Mais tu rigoles quoi ? Je vais manger à côté de ces hypocrites. Dégagez, allez. Mais que toi que j'aime dans cette affaire. Tu vois qu'il faut faire gaffe. Je l'avais dit. Hein. Je suis d'accord. Fais gaffe à toi. Allez, va. N'abandonne pas. Ah, Pascal, s'il te plaît. Dis plus fort que ça, Pascal. Je peux pas. De toute façon, Gabriel, les trois, je les sens pas depuis le début. Je crois que j'ai sous-estimé un peu les gens. Quand on est fouillé dans mon sac, ça m'a énormément énervé, mais je trouve que maintenant, tout est faussé. Il y a deux personnes qui sont mises dehors, que peut-être si Gabriel n'avait pas fouillé dans mon sac, ils n'auraient pas été dehors. Si tu veux que je ne dise rien à ce moment-là ? C'est pas ça. Non, t'as été honnête, parce que ouais, toi, non, tu disais... Tu montais, c'était l'inverse. C'est dommage hein, de réagir comme ça. Après, je ne l'aurais pas fait, mais c'est le jeu. Moi, je pensais que c'était une stratégie. Mais voilà. Si franchement, quelqu'un avait regardé dans mon sac si j'avais eu un collier... Voilà, bah c'est le jeu. Bravo, mec. Bah moi, je me mets dans la même idée, c'est pareil. Merde, putain, j'ai pas bien caché. S'il avait fouillé dans le mien, jamais j'aurais une réaction comme ça. Jamais. Parce que je suis dans un jeu. C'est un jeu. Voilà, Pascal, t'es encore avec nous. On passe à autre chose. C'est pas vraiment une histoire de morale, c'est vraiment une histoire de jeu et de stratégie. Si ça vous embête pas, on clôture la discussion. Mais moi, franchement, si on me l'avait fait, j'aurais pas. Mais toi, comme toi ça. Honnêtement, toi, je m'en fous puisque tu l'as fait. Donc je sais très bien que tu l'aurais fait puisque tu l'as fait. La morale, c'est qu'ici, il y en a qu'un qui a osé le faire, que personne l'a fait. Mais là, on va pas tourner en boucle, on en a parlé. Faites ce que vous avez à faire, vous avez encore un conseil dans 2 jours. Je vais rentrer dans ma grotte, je vous dérangerai pas longtemps. Pascal, il veut faire la gueule, il fait la gueule, je m'en fous complètement. Je suis stratège, mais j'ai jamais mis une manigance en route. C'est pas en disant, voilà, je sais qu'il a collé, on va éliminer Laurine. Non. Mais c'est pas de la stratégie, arrêtons. Arrêtons, il a regardé dans un sac. Il retourne que peut-être j'aurais pas dû laisser mon sac là, et que c'était facile, et j'ai un sac facile à regarder. C'est comme le voleur qui va dans une banque. Ouais, mais attendez, je suis rentré dans la banque, c'était ouvert, le coffre était ouvert, j'ai pris les sous, moi. Attendez, c'est exactement la même chose. Et en plus, maintenant, j'ai perdu 2 alliés, Steve et Laurine, parce que je me retrouve avec les loups, là. La nuit n'a pas apaisé les consciences. Ce matin, Pascal est triste et désabusé. Je m'isole. Et là, c'est encore plus facile parce que là, vu ce qui s'est passé hier, puis moi, isolé, je suis bien, donc je suis toujours pratiquement tout seul. Donc au contraire, ça me donne même encore plus pour dire, je peux faire vraiment ce que je veux maintenant. Voilà. Alors, ambiance très tendue depuis le conseil d'hier. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'altercations. Pascal encaisse très mal le coup de Gabriel qui a fouillé dans son sac et trouvé le collier d'immunité. J'ai été regardé dans son sac quand il est revenu de l'île de Collier. J'ai vu qu'il y avait un collier dans son sac. Ils sont avec des principes à partager une crevette en 8 et il met la main dans mon sac. Tu rigoles ou quoi ? C'est un jeu. T'as pas touché à mes affaires. Mais c'est un jeu. Qu'on aille fouiller dans mon sac, c'est vrai que ça m'aurait fait chier. Personnellement, je me serais dit merde.
On a été fouillé dans mon sac. Après, je comprends aussi Gabriel qui joue le jeu. Comme il dit, lui, c'est un jeu. Il a tenté sa chance, il a réussi. Bon, on ne peut pas non plus lui jeter toutes les pierres. Dans la vie courante, j'éduque mes enfants, c'est sûr, à ne pas fouiller dans les affaires des autres. Ça les regarde pas. En plus, c'est pas beau, c'est pas honnête. Et voilà, c'est même presque du vol, quoi. En aucun cas, j'ai pensé à mettre mes mains dans les affaires de quelqu'un d'autre. Non, c'était juste pour trouver le collier, parce que je sentais qu'il y avait une fausseté dans ce qu'il disait. J'ai trouvé le collier, je me suis pas posé la question. Voilà, moi je l'ai pas fait méchamment, je ne ferai jamais quelque chose méchamment. Pascal est un peu de côté et tout le reste du groupe de l'autre, donc ouais, l'ambiance est un peu pesante, mais bon, c'est le lendemain d'un conseil un peu mouvementé, même beaucoup, donc c'est normal. Et en plus, Pascal est hyper deux alliés importants qui étaient Steve et Laurine. Donc il se retrouve un peu sur le camp, un petit peu en marge, tout seul, et il en a très bien conscience. Sans Steve et sans Laurine, c'est sûr que c'est un peu difficile le côté rapport humain. Voilà, ça manque, les petites discussions avec Laurine. Et Steve, ce qu'il y avait, il y avait une ambiance dans le camp. Steve, c'était les rires, c'est chanter, il était là, mais... Et ça fait du bien. Steve, il a porté ce côté foufou. Justement, Laurine et Steve sont en train de rejoindre les autres membres du jury final, c'est-à-dire les aventuriers éliminés depuis la réunification et qui, à la fin, éliront le grand gagnant de Koh-Lanta. Mais n'importe qui peut arriver maintenant. Ce qui supporte plus Pascal et ses tentatives de ralliement des anciens jeunes. Moi, j'aurais dit Laurine, les gars. On va avoir une surprise. Sur une surprise, on va l'avoir. Après, de quelle couleur ? Si je devais voir arriver un candidat, ce serait un ancien rouge, je pense. Et Karima ne serait pas une surprise. De toute façon, la stratégie a suivi son cours. Hein. Ils sont ouais. Toujours plus de jaune que de rouge. Oui. À mon avis, c'est un rouge qui est sorti et un rouge qui est dangereux sur les épreuves. J'ai nommé Karima. C'était celle qu'on voulait faire sortir depuis le début, après Romain. Donc du coup, pour moi, si ça suit notre logique, c'est Karima. Ça verra bien, je sais pas. Attention, parce que n'importe qui peut arriver là. Salut les amis! Qu'est-ce que vous faites à deux? Oh non! Ça va? En voir deux, waouh! Et surtout de savoir que c'était Steve avec elle, double waouh! En fait, on a fait une épreuve, le jeu de confort c'était en binôme, on a tiré des boules et le genre qui avait le plus de voix au conseil, il a amené son binôme. Et ils ont tous voté contre moi. Oh! Et donc Steve est parti avec. Bam, je me retrouve dehors, quoi. J'ai passé toute la nuit à y penser et je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté parce que pour moi, l'aventure ne devait pas s'arrêter là et ça devait vraiment continuer, quoi. Et voilà, je me voyais encore aller beaucoup plus loin que ça. À un moment, Denis demande qui est-ce qui savait pour le collier de Pascal et il y a Gab qui avait la main en disant moi parce que j'ai fouillé dans son sac. Aïe, wow, Pascal, le Pascal, sang, il a fait ça a dû le faire. Alors ça, moi, franchement, j'ai énormément d'estime pour Gab. Ça, c'est pas beau. Hein. Le pire, c'est qu'il trouvait ça normal. Je pense que c'est mieux de pas fouiller. Après, chacun sa façon de voir. Hein. Je dis ça aujourd'hui. Si j'y étais, peut-être demain, je fouille. Hein. Et je pense que là, ça, c'est vraiment en fait le jeu pur et dur, quoi. Genre chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi. Est-ce qu'il y a des factions qui disent voilà, nous on est ensemble, je pense ensemble. Que c'est Pascal qui va sortir parce qu'ils sont tous mis en relation. C'est la collègue d'unité, donc. Non, il l'a fait sauter. Oui, il a fait sauter. Oh, il est foutu. Pascal costaud. Allez hop. Je sais qu'en tout cas, Pascal, il va pas tarder à partir. À moins qu'il ait les immunités parce qu'il est sur la sellette, plus personne ne peut le saquer là-bas, donc je pense qu'il va pas tarder à dégager. Sur le camp réunifié, Pascal se tient à l'écart. Comme à son habitude, Nicolas essaie d'apaiser les tensions, de relativiser. T'as encore des trucs à prendre, quoi. Comme tu disais, ou à profiter quand même ici, tu vois. Mais t'inquiète, je suis gentil à toi et tout, mais je suis pas triste, attention. Hein. Après, moi, je suis souvent seul et tout, donc ça me... Voilà. Oui, je sais bien. Je suis pas mal à l'aise, je suis pas tendu. Non, t'inquiète.
Non, après, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est dit au conseil, c'est dit au conseil, voilà, donc après, on est sur le camp, c'est différent, ah non, tu vois. Bien, donc, bon, bah, très bien. Je suis comme hier, avant-hier. C'est pour ça que je te dis, ça t'empêche pas, etc. Tu viens manger, on discute, normal, enfin, tu vois, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Ok, bah, écoute, il n'y a pas de problème. Honnêtement, franchement, c'est gentil à toi. Non, mais. On se voit tout à l'heure pour manger un goût. Oh, ouais. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai été voir Pascal pour lui dire il s'est passé ce qui s'est passé hier. Essaye de rester avec nous quand même. Aussi désagréable soit sa position, il est avec nous, quoi. Et moi, je suis toujours ouvert pour discuter avec lui, pour plaisanter, pour changer les idées. Voilà, ça ne change rien. La colère, elle est tombée, puis vaut mieux. La majorité a dit, moi, j'aurais pas ouvert un sac. Déjà, on est d'accord. Bien sûr, personne ne dit rien. Chacun se ménage pour pas être le vilain canard. Je trouve ça pathétique. Une bouteille à la mer. Alors, le message du jour, il faut savoir savourer chaque instant. On va bouffer des araignées. On va bouffer les amis. On va bouffer les insectes. Tant bien, j'ai faim. Protéines. C'est l'épreuve que je redoute le plus de Koh-Lanta. J'aime pas le gras, j'aime pas les nerfs. J'ai du mal à avaler les choses dures, j'ai besoin de mâcher 120 fois, même un yaourt, je le mâche. Donc, effectivement, croquer dans des bêtes, des insectes, avec des grosses carapaces, des choses pleines de nerfs, des liquides visqueux ou des choses comme ça, personnellement, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon point faible. J'ai hâte de voir ce qu'on va bouffer. Après, peut-être que je dirai autre chose quand je serai devant l'assiette, hein, ou je serai peut-être un peu. Mais ouais, j'ai hâte de voir et de me confronter à ça, ouais. Bonjour à tous. Bonjour Nani. Quand on vient sur Koh-Lanta, c'est notamment pour vivre l'expérience d'aujourd'hui. Un jeu de confort exceptionnel, puisque vous allez participer à la dégustation. Et je vais tout de suite vous inviter à découvrir ce que vous allez déguster dans la première manche, sachant que les deux plus rapides, les deux meilleurs, se qualifient pour la finale. Regardez ce qui vous attend. Oh putain! Des verres de cocotier, deux par personne. Un seul impératif, enlever la tête avant de les manger le plus vite possible. Alors laissez-moi vous parler un tout petit peu de la récompense, parce que si vous gagnez, ce sera une toute autre dégustation. Et quelle dégustation! Imaginez, des langoustes. Mais pour ça, il faut gagner. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, top! Karima. Gabriel. Karima et Gabriel qualifiés pour la fille. Venez tous, à part Karima et Gabriel, me rejoindre sur ma droite. Karima, expliquez-moi simplement comment on est capable de manger deux gros verres de cocotier en 7 secondes. On réfléchit pas, Denis. Et ça suffit? Et ça suffit. Gabriel, un mot sur le goût? Personnellement, j'ai un goût de fumier en bouche. D'accord. Ouais, je sais pas, j'ai jamais mangé de fumier, mais l'odeur du fumier, je le retrouve en bouche. En tout cas, bravo pour cette performance, parce que ça vous permet de vous qualifier pour la finale et d'espérer remporter ce jeu et donc la récompense qui va avec. Mais vous n'allez pas la disputer à deux, cette finale, vous allez la disputer à quatre. Vous avez face à vous tous ceux qui ont perdu. Il va falloir que Karima, vous choisissiez le partenaire de Gabriel, et c'est vous qui allez commencer parce que vous avez été la plus rapide de la première manche. Et ensuite, Gabriel, vous choisirez le partenaire de Karima. Si vous gagnez la finale, vous partez à deux à la récompense. Karima, qui sera l'allié pour cette finale de Gabriel? Karine. Pourquoi Karine? Elle n'a pas eu de jeu de confort. Ça vous touche, Karine? Ah oui, complètement. Merci, Karima. Allez rejoindre Gabriel.
Gabriel, il vous faut choisir le partenaire de Karima en finale. Je vais être sportif comme Karima, je vais prendre Nico qui n'a pas encore eu de jeu de confort. Nicolas, vous allez être associé à Karima pour cette finale. Merci Gab. Bonne chance. Cette belle finale va opposer deux duos. D'un côté Gabriel et Karine, de l'autre Karima et Nicolas. Avant de vous expliquer les modalités, d'abord vous présenter la farandole de plats qui vous attend. Oh là là. Ouais, tu... Oh là là. Vous avez ici des yeux de chèvre. Vous avez ici des larves de frelons. L'essaim de frelons. Il y en a un gros juste derrière vous qui pend. Et vous avez les larves de frelons. Oh, putain. Vous avez ici du poisson fermenté. Oh putain. Des blattes. Des larves de fourmis rouges. Mmh. Des scorpions qui sont grillés. Des yeux de poisson. Du tasard, exactement. Et pour terminer, un petit verre de verre. Il y en a à bouffer. Vous êtes quatre et il y a 8 plats. 4 plats par binôme. Karima, vous êtes la meilleure de la première manche. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de donner le premier plat à l'équipe adverse, à Gabriel et à Karine. Qu'est-ce qui se mange le plus lentement? Le plus difficile à avaler? J'ai si trop ça passe. Pareil. Karima réfléchit. Aussi curieux que cela puisse paraître, ce sont tous des mets consommés en Asie ou en Océanie. Simplement là, ils ne sont pas assaisonnés. Dans ces petites bêtes, faut enlever la tête. Faut tout manger. Bah, scorpion pour eux. À vous maintenant, Gabriel et Karine. Quel premier plat pour Karima et Nicolas? Les yeux. Les yeux de Tazar. Oui. Il y en a deux. Karima et Nicolas. Ça. Les blattes. Gabriel, Karine. Deuxième plat pour vos adversaires. C'est des yeux de chèvre. Je sais pas. Moi, je pense à les larves, parce que c'est plus gros. Et après, je sais pas, peut-être les larves. Les larves de frelons. Il leur faut un verre aussi, hein. Les verres, moi, je les mange. Peut-être le poisson, ouais. Poisson. Poisson fermenté. Ça va être long à manger. Gabriel. Les yeux de chèvre. Les yeux de chèvre. Je vais prendre ces deux-là. Karima, vous avez le choix entre les verres qui servent d'appât pour les pêcheurs ici en Thaïlande ou les larves de fourmis rouges. Est-ce que c'est sec à gauche? Ah non, ils sont vivants. Voilà, vous leur donnez les larves de fourmis rouges et donc forcément, il vous reste les vers qui servent d'appât. Ceux qui vont commencer sont ceux qui ont gagné leur place en finale, à savoir Karima et Gabriel. Vous allez choisir 2 plats. Dès que vous aurez terminé, vous passerez le relais à votre coéquipier en tirant la langue. Et c'est évidemment l'équipe qui termine ses 4 plats en premier qui remporte cette épreuve. Karima, vous commencez par quoi? Les larves de frelons. Et vous, Gabriel? Larves de fourmis. Larves de fourmis. Attention pour tous les deux. 3, 2, 1, top! Allez, Gabriel, tu réfléchis pas. Allez, tu vois, allez. Tu vois. Allez, marche, 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 marche. Allez, avale. Allez, Gabi. Un bon gros gâteau au chocolat. C'est un bon gros gâteau. Karima est transcendée. Après avoir avalé d'un coup tous les verres, elle gobe presque les yeux de chèvre. On mâche les yeux, on mâche les yeux. Obligatoire. Allez, avale. On mâche les yeux. Allez. Tu réfléchis pas. Allez. Gabriel mastique son scorpion. Mâche, avale. Allez, Karim. Ok pour Karima, top pour Nicolas. Nicolas s'attaque aux yeux de poisson, de Tazar. Mmh. Allez, Nico. Aziz, allez, avale. Aziz, ça y est, t'as mâché, avale maintenant. Avale. Allez, ça y est, avale. Allez, avale, avale. Allez, avale. Mâche. Allez, Gabi. Allez, avale. Faut mâcher le cartilage des yeux, c'est allez. Obligatoire. Vas-y, c'est pas grave, prends ton temps, ils sont grands dans le premier. Vas-y, prends ton temps, c'est pas grave. Avale. Allez, c'est bien. Allez, avale. Ok, allez. Gabriel. Allez, c'est bon. À vous, Karine. Avale. Allez, c'est bien.
Vorace, Karine ne réfléchit pas et mâche ses blattes. Les yeux allez, de poisson pour Nicolas. Les blattes pour Karine. Allez. Pour l'instant, léger avantage à Nicolas et Karima. Allez, avale, s'il te plaît, allez, avale. Ils sont presque, s'il te plaît. Allez, avale, s'il te plaît. Allez, vas-y, avale. Essaye d'avaler petit morceau. Allez, tu peux commencer par ça. Tu peux y aller avec ça. Tiens, tu peux aller avec ça. Bien vu. Karine varie les plaisirs et alterne blatte et poisson fermenté. Allez, c'est bon. Allez, coup sec. Allez, et tu mâches en même temps. Et tu mâches en même temps et t'avales. Allez. Qui finira en premier de Karine ou Nicolas et offrira la belle récompense à son binôme? Vite, faut que t'avales et prenne notre plat. Karima coach Nicolas. C'est bon. Il y en a un là. Allez. Et tu mâches en même temps et t'avales. Allez, c'est bien. Allez, souffle bien. Allez. Voilà, c'est bon. Il y en a plus. Allez, c'est pas grave. Allez, mâche. Ok, c'est gagné pour Karima et Nicolas. Bravo. C'est dégueulasse. Quelle performance. C'est bien, Nicolas. Putain, les yeux. Je t'ai dit. Désolé, Gabi. Bien joué. Bien joué. Excuse-moi. Non, j'étais nul. Mais non. Ah, les yeux, c'est plus dur. C'est chaud. Hein. Bravo, Karima et Nicolas. Merci. Quelle prestation. Qu'est-ce qui était le plus dur? Le plus dur, je pense que c'était les yeux. Faut mâcher. Tout ce qui est... À chaque fois qu'on mâche, on perd du temps. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de leur donner les scorpions et les blattes? Oui. Vous en êtes rendu compte, Gabriel, de ça? Que c'était très difficile de mâcher et d'avaler, notamment les scorpions? Le corps, ça allait, mais les pinces, elles étaient un peu dures. Donc il fallait que je croque. J'ai essayé d'avaler, mais je ne sais pas pourquoi ça bloquait. Donc il fallait que je croque encore plus. Et oui, effectivement, j'ai perdu du temps en croquant. Et les blattes? Ouais, les blattes, c'est pareil. En fait, c'est un peu comme les scorpions. Et les piques, là, c'est difficile. Il faut bien mâchouiller, sinon ça passe pas. Félicitations en tout cas Nicolas et Karima. Vous allez profiter d'une récompense exceptionnelle. Vous allez poursuivre la dégustation, mais croyez-moi, avec un mets beaucoup plus fin que vous allez adorer, c'est la langouste. Mais cette langouste, vous allez la partager dans un lieu idyllique. Un endroit fabuleux. Une petite maison en bois au bord de la mer, légèrement en hauteur. Et une fois que vous aurez terminé cette langouste, vous dormirez dans une chambre confortable. Chambre avec salle de bain. Mais d'abord, vous allez tous repartir sur votre campement. Et ce soir, vous partirez à la découverte de cet endroit merveilleux. Bon retour sur votre campement. Et ce soir, bonne récompense à vous. Karima est fier comme tout d'avoir remporté l'épreuve avec Nicolas. Ce soir, ils profiteront d'une nuit confortable. J'ai des renvois là-dessus. Moi, j'ai des renvois de poisson. C'est un peu chelou, hein. C'était dur à mastiquer. Ça se coupait pas. Ah ouais. J'arrivais pas à déglutir. Hein. Ça revenait. Ah, ça a été chaud. Hein. Au-delà de la déglutition, qui était très difficile parce que c'était gros, même s'ils sont vivants et rebutants visuellement, j'ai pas de dégoût parce que j'ai tellement faim de toute manière et que ça allait, quoi. Voilà. Karima a le cœur bien accroché aussi. Hein. C'est chouette. On verrouille le cerveau, on se dit que c'est riche en protéines et on avale. Je suis vraiment ravi de cette victoire et le partage avec Nico. Franchement, Karima, bravo, elle a été redoutable, elle a été plus stratège au niveau des carcasses à manger parce qu'on avait d'autant plus les scorpions. Moi, j'ai eu du mal à avaler les pinces parce que j'arrivais pas à déglutir. Allez, Gabi, avale. C'est vrai que sur ce coup-là, on aurait dû leur donner les blattes. Mais j'étais tellement dégoûté par les yeux que j'avais peur qu'ils me les refilent. Excepté Karima et Nicolas, tous vont manger ici ce soir. Il faut donc trouver de quoi se nourrir. Toi, c'est un peu comme cette plante-là. Voilà. La même tige, ouais. Sauf que c'est en forme de cœur comme celle qui est à droite. Avant, il demandait conseil à Steve, mais il n'est plus là. Je vais regarder juste là. On essaie de zéroyer sans Steve. C'est vrai qu'il a une très grande connaissance de la nature.
Et dans l'île des Rouges, il nous a fait voir des choses magnifiques. En revanche, ici, il n'avait pas trouvé le tarot, enfin le tarot et le manioc, même si c'est quelqu'un qui connaissait tout parfaitement. On va chercher. On est des aventuriers et on se donnera les moyens. Non, c'est des rochers. Si il disait que ça me coûtait pas sur les rochers, donc... Non, tu vois, c'est des longs. Il n'y a pas de bulbe. Donc c'est pas celui-là. C'est trop bordel. C'est vrai que c'est pas parce que Steve est parti qu'on ne mangera plus du tout. On a du riz, on a des bulots, on a survécu pendant plus de 13-16 jours comme ça. On y arrivera, c'est vrai qu'on aura moins de confort alimentaire. Ce sera moins bon, moins copieux, mais on aura mangé. Voilà, tu y a que des petites feuilles. Les feuilles de bambou, ça se mange pas. En fait, il y a un truc dans le bambou, apparemment. Oui, le cœur, mais c'est pas ces bambous-là. Mais les pandas, ils mangent bien les feuilles. Ça, des feuilles, il y en a. Hein. Taro, petit. Petit. Taro. Petit. Qu'est-ce que ça serait bien sans trouver ce taro. Allez, petit taro, là, on se cache ici. On se cache ici. Nicolas, de son côté, arpente le rivage pour trouver de quoi alimenter ceux qui restent sur le camp. Moi, je sais que ce soir, je vais bien allonger, bien dormir. Donc, si je peux apporter ma contribution au repas de ce soir, eh bien, ce sera avec plaisir. Quoi. Gobi, gobi, gobi. C'est une sorte de pêche au panier. Il faut qu'il prenne une trajectoire et hop, il faut l'intercepter sur la trajectoire. J'ai utilisé là pour tester la technique de la baffe panière. Je reprends la technique de Steve à ma sauce parce qu'avec la panière, ça augmente la surface de ma main. Même si ça, c'est plus dur. Hein. Envoyer le filet, ça doit être plus simple, mais ça abîme le filet, c'est quand même compliqué. Yeah. Et un gobi, à la panière. À retenir, ça marche. Voilà, deux concombres de mer en plus. Bon, allez, ça devrait le faire pour eux aussi, quoi. Une fois bouilli et une fois cramé au feu, ben, ça fait un peu comme un truc de viande, viande caoutchouc. Et pour accompagner le manioc ce soir, ce sera chouette. Alors, chaud, hein ? Rien. On a tourné dans la même heure. Au conseil, ils ont dit qu'ils arrivent à se débrouiller sans Steve. Puisqu'apparemment, ils ont dit que oui, hier, pas de problème. Et rien. À mon avis, la recherche dans la forêt sans Steve, c'est compliqué pour trouver du tarot. Ici, rien, il n'y a pas de ça. C'est dommage, c'est bon. Ça. Moi, je trouvais que Steve était indispensable. Mais vu les votes de hier, il n'est pas indispensable. Et si on mange du manioc, c'est quand même parce qu'il a expliqué à Karima. Sinon, Karima ne savait pas la tête qu'avait un manioc non plus. Donc, elle avait vu qu'en sachet avec sa mère dans les supermarchés. Donc, ici, c'est pas en sachet. Donc, voilà. D'ailleurs, Pascal observe du coin de l'œil Karima et n'apprécie pas son comportement. Bon, les amis, on fait quoi comme dose de manioc? On fait les deux? Merde. Je pense pas que les deux, ça serait un seul. Hein. Parce que demain, il n'y a plus rien. Demain matin, il y a la compète quand même. Tu vas faire les deux ? Le gros, si on le partage en deux, qu'on en garde pour demain. Ah non, il faut que c'est ouvert, il faut le goûter. Ah ouais ? Ah ouais. Ça, moi, je me suis dit, après, c'est comme vous voulez. Hein. De toute façon, je suis mal placé. Mais les trouvailles sont très rudes. Karima, elle est inquiète. Pas parce que tu te donnes bonne conscience de dire... Je suis mal placé, mais vous devrez le garder pour demain. Ben ouais, elle est pas folle, la guêpe. Hein. Ce soir, on va se manger une langouste. Demain, il y a encore un peu de manioc. Sinon, il n'y a plus de manioc. Merde. En fait, je voudrais la langouste, mais je voudrais que vous ne touchiez pas au manioc. Parce que demain, il n'y en a plus, quoi. C'est la reine, donc... Après, pour moi, personnellement, il faut mettre tout. Moi, j'ai faim, je m'en fous. Hein. De toute façon, pour Karima, fin du débat. Puisqu'il est l'heure de partir se régaler en compagnie de Nicolas. Bon, les collègues. J'ai bien. Bon, les amis, je vous embrasse fort. Bonne app, bonne douche et bon dodo, hein. Ciao Nico, amusez-vous bien. Bah, en route pour le confort. Hein. C'est parti, l'aventure pour eux. C'est chouette la confort comme ça. Ça va leur faire du bien. Karima et Nicolas prennent le large, direction le sud de Koyaonoï, où une cabane perchée les attend avec tous ses délices. Go, go, go.
là 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 là, la civilisation. Ça c'est trop beau. Ah, sympa. Plutôt super sympa. Tous ces gens-là, c'est qui? C'est des présidents? Ouais. Eh, t'as vu la douche? C'est magnifique. Ah, oh, trop bien. Super. Moi, je vais faire un petit dodo sur la natte. Eh, tu dors là? Et moi, je dors dans mon fini. Ah, grogne pour moi, tu sais. Je laisse le lit à Karima, mais volontiers, parce que après la paille, ça va me paraître comme étant un lit de plume, là, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a une vue de ma... là. C'est un endroit féerique, vue panoramique sur l'océan, enfin, c'est sublime, quoi, c'est... Et cet océan recèle des trésors, notamment de belles langoustes, des langoustes arc-en-ciel. Okay. I love big langoustes. Big, 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 big langoustes. Wow. Profond. Wow. Ah ouais. Elle est belle. Oh, elle est magnifique. Wow, wow, wow. Elle est fraîche. Ouais. Beautiful. Wow. Beautiful, amazing. Oh, sorry. If you need your cat. Yeah, I got it. Lower, lower. Ah, lower? Yeah. C'est un langoustin. I love big, big, big. T'as les couleurs. Ah, c'est magnifique. Hein? The best one. The best? Yeah. Ah, c'est le meilleur. Ah, ils sont magnifiques. Wow, wow, wow. Mais avant de passer à table, il faut se faire beau. Je me colle au bain en premier, là. Vas-y. Et retrouver la volupté d'un bon bain. Alors? Bah, c'est un truc de malade. Ouais. Shampoo. Je vais me laver les cheveux peut-être, quand même. Oh merde. Oh la vache, c'est trop bien. Là, on apprend à profiter du moment présent. Des trucs simples, mais qui prennent une proportion, une valeur inouïe quand on en est privé pendant un laps de temps. C'était nécessaire. T'as vu l'eau et la couleur de l'eau? Ouais, c'est même 27 jours de Koh Lanta lavé enfin. Ça fait du bien hein, quand même. J'avais un petit peu une jungle dans les cheveux. Un bain à l'extérieur avec des petites fleurs sur une vue à couper le souffle. Que demander de plus? Vraiment. C'est magnifique. Il n'y a qu'à Koh Lanta qu'on voit ça, vraiment. C'est, je pense, l'une de mes plus belles expériences, vraiment. Ah, c'est trop bien. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Mon petit shampoing, franchement, c'est super, ça sent super bon. Ah, mais je suis crade, c'est dingue. Moi qui est super coquette à la base. Même si je suis de profession militaire, hein, donc voilà, la journée on a notre treillis, chignon attaché, etc. Mais le soir, voilà quoi, je suis très très coquette. Karima et Nicolas vont profiter d'une soirée merveilleuse. Loin du camp où Pascal, lui, se sent en grand danger. Si j'ai pas l'immunité, soit on est. Je n'ai pas l'immunité, je saute, c'est normal. Je suis seul. Demain, je suis tout seul. Hier, j'avais Steve, Boris, on a essayé de trouver une solution. Et là, c'est pour ça que je sais que je suis plus qu'en sortie, parce que là, j'ai plus de cartouches. J'ai plus de cartouches. Ouais, après moi, il y a. Si c'est moi, après, c'est un danger, tu sais. Ouais. Donc, si tu as une idée, tu as quelque chose, tu me dis que je ne surtout pas. Ouais. Je fais ce qui t'arrange à toi. Moi, j'aime beaucoup pour toi. J'essaye pas de me rallier à Wendy parce que ça changera rien pour moi demain. Et elle me sauvera pas la vie. En face, il y a du nombre. Hein. Là, vous êtes pas trois personnes ou deux personnes. Là, il y a Wendy, Alain, maximum deux. Et derrière, ils sont cinq. Là, vous luttez pas. C'est vrai qu'à part vous-même, vous êtes les deux derniers, j'en ai. Ouais. Il y a du lourd en face. Hein. Ouais. Moi, je voterai pour Gabriel. En fouillant, il a faussé le jeu en faisant ça. Il s'est tiré une balle dans le pied.
Mais... Tu vois que tu peux pas baisser ta garde avec quoi que ce soit. Hein. Oui, c'est clair. Il faut voir l'état d'esprit aussi. Hein. Trêve de réflexion, il est temps de passer à table. Et ce repas au coin du feu est propice aux confidences. Ce soir, les aventuriers se livrent. Moi, je suis très très proche, mais on vit carrément à quatre. Mais c'est ta famille, tu vois, c'est ta femme, tes enfants. Mais moi, il y a des gens avec qui je me suis engueulé. T'es rancunier, toi, Gabi? Mais surtout pour ma famille, quoi. Mon père. Ça sert à rien. Moi, j'ai connu ça. Et après, la personne, pour un peu qu'elle décède, et tu passes ta vie à regretter. Donc, c'est ça le pire qui peut t'arriver. Ouais, c'est que ça, par contre, c'est irréparable. Ici, une fois que je ferme les yeux, je pense à plein de choses de ma vie personnelle. Et notamment certains trucs qui me pèsent avec mon père, ma mère, les personnes que j'aime, ce que je suis, que j'ai dit, j'étais gay. Je suis né avec, et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui croient que c'est un choix que j'ai fait. Non, ça m'a beaucoup fait de la peine, parce que ça m'a fait de la peine. Mais il ne faut pas qu'on vive dans les remords et la rancune, ça ne sert à rien. Même mon père, ça fait des lustres que je lui en veux. J'ai juste à mon père lui montrer que je suis quelqu'un de bien. Et j'espère qu'il est fier de moi quand même. Mais ça me touche ce que je dis. Mais voilà. Je vois pas assez ma mère et j'ai plus envie de. J'ai plus envie d'avoir ce problème avec mon père parce que du coup ça met des barrières avec ma mère. Et on n'a plus de famille. Je me dis, j'ai déjà 40 ans. Je ferai tout pour changer ça. Je pensais ne jamais leur reparler. Je vais rentrer. Je vais aller, je vais dire allez. Et puis moi, je dis qu'il faut savoir toujours pardonner ça. Les colères, elles sont là. C'est difficile. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que voilà, c'est important. Gabriel, le soir du conseil, il m'a énervé. J'avais envie de lui tendre le cou. Mais après, ça me touche parce que ce qu'il a vécu, ça me fait de la peine. Au bout de 27 jours, Pascal voit maintenant autrement Gabriel. Mieux se connaître, c'est déjà commencer à s'apprécier. En Thaïlande, dans la baie de Pangna, c'est dans une cabane tout confort mais au grand air que Karima et Nicolas profitent de leur soirée. Je sens trop bon, c'est un truc de malade. Je sens trop bon. Ah, mais Karima, ah mais pire que moi. Juste qu'on a mis les habits qu'on met tous les jours et c'est vrai qu'ils sont très 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 crades. Wow. Thank you. Là, il y a de la noix de coco. Bah ouais. Eh, c'est de la noix de coco. Noix de coco. Oh là 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 là. Noix de coco, hein. Ouais. Magnifique. Yes. Donc, seafood, c'est Thai soup, made from squid, coconut milk, okay. And kalanga. Oh là là. C'est magnifique. C'est un truc de fou, c'est enfin, sucré et salé, tu vois, c'est... Ouais, c'est une tuerie. Ah non, il n'y a pas de mots. Pourquoi j'ai autant de chance? Tu as mangé des insectes vite que les autres. D'accord. Eh ben, ça ne plaisante pas. Tadam. Thierry, un peu de chou et cette fameuse langoustine. Ah, c'est pas la langouste. Bah ouais, parce que la langouste, c'est du gros. Hein. Moi, j'ai mangé toute la carcasse, et monsieur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai rien laissé. Vous passez à 2-3 grains de riz manioc de ce qu'on pouvait. Et là, on mange... un repas digne de prince et de princesse. Bah, j'ai tout terminé. Ce fut très bon. On se porte une suite. Toutes les papilles sont... Ouah, qu'est-ce qui se passe? Ouh, c'est une rave party dans la bouche. C'est magique. C'est magique. Il faut que ça s'arrête parce que sinon on explose. Vraiment. Ouais, c'est pas fini. Regarde la langouste, elle est là. C'est pas vrai. C'est une langouste qui arrive. Et c'est oui, pas vrai. C'est la langouste. Je me fais avoir comme un bleu en pensant que c'est le plat. Mais non, c'était juste l'entrée. La langouste qui arrive derrière. Ah oh, ouais, oh je t'ai dit. Je l'ai dit ou pas? Oh vache. Oh là là là. Oh la vache. L'autre, elle est trop petite par rapport à celle-là. Waouh.
Oh, Karima la bouchée de dingue. C'est le plus beau confort. C'est pas possible. Hein. C'est le plus beau confort, je pense, depuis le début de l'aventure. Le repas, incroyable. Même, je pense, chez nous, dans la vie tous les jours, on ne mange pas autant que ce qu'on a mangé ce soir, quoi. Ça n'en finit pas. Alors là, je suis choquée. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce fruit ? Ces petits fruits charnus sont des mangoustans, à la fois acides et sucrés, très riches en antioxydants. Au niveau des papilles, j'ai jamais découvert autant de mets en une journée. Ah. Faut pas manger le rose. Très 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 bon. Effectivement, le blanc est bien meilleur que le rose. Ah, tu manges pas le noyau ? Ben non. T'as mangé le noyau du blanc et le noyau du litchi ? Karima, c'est un autre monde. Hein. Karima, on ne l'arrête pas aujourd'hui. Elle s'y retrouve à bouffer les noyaux des fruits. Elle n'a rien laissé. Rien. Je n'ai plus faim. J'ai quand même mangé. On arrive. Sincèrement, je suis calée. J'ai tellement bien mangé. Le seul fait de stress, c'était un petit peu de chocolat. Non, je rigole. Non, c'est vrai que c'est des petits trucs qu'on mange plus. Non, je rigole. C'était trop bon. Quoi tu fermes, Carrie ? Je sais pas si j'ai froid. L'œuf, elle dort à la belle étoile depuis 20 jours. Et là, ça y est, elle a des portes. Ah, faut fermer les portes. Bon, bah, collègue, moi, je suis ici déjà. Ah, putain, c'est trop chiant. C'est dingue. Carrie, fais de boire, hein. Bonne nuit. Vingt-huitième jour, et c'est loin de la dureté du camp que Karima et Nicolas se lèvent. Wow. Et le rêve continue. Ils vont encore prendre un petit déjeuner consistant avant d'affronter cette journée et son épreuve d'immunité. T'as bien dormi ? Bien dormi, le lit était super. Toi par terre ? Non, mais moi j'ai... Ouais, c'est... Moi c'est un peu l'ironie du soir. Hein. Je t'avoue avoir eu quelques petits problèmes... Gastrique. La nuit, il faut l'avouer, a été un peu plus mouvementée que je l'aurais souhaité. Hein. Ça, voilà. J'ai eu vraiment mal au ventre et il a fallu que je me lève assez régulièrement. Mais c'est pas grave. J'ai remis ça ce matin quand même. À ce stade, vraiment, c'est très très important de gagner des conforts pour se remettre d'aplomb pour les épreuves d'immunité et même la vie au quotidien dans l'île. Hein. C'est vraiment important. Donc, tartine d'ananas beurre. Le peu de graisse qu'on peut avoir, qu'on peut emmagasiner là, je comprends. Faut rien laisser. Au niveau énergétique, sucre, là j'ai la barre qui est bien remontée par rapport à tous les autres. Quoi, hein. Donc normalement, s'il y a une épreuve d'immunité, je ne serai pas là pour faire de la figuration. Quoi. Karima et Nicolas retrouvent le camp réunifié. Leurs compagnons dorment encore. Je suis assez content de rentrer sur le camp. Après, c'est vrai que on passe du coq à l'âne. Donc c'est vraiment une nuit magique. Vous revenez ici, bah c'est une très belle île, hein. Mais voilà quoi. Laisse les copains profiter du réveil tranquillement. On va avoir le temps de se raconter les choses. Même si nous, c'était tellement bien que on va pas s'étarder sur les détails. Je trouve que c'est presque indécent. Moi, c'est tellement... Le confort était exceptionnel. C'est bien. Ouais. On a mangé une soupe traditionnelle avec des calamars. Ensuite, la langouste. Le dessert. Nous, on mange pas, vous inquiétez pas, hein, mais faut absolument on va préparer. On a eu un petit déjeuner. Oh putain. Nous sommes bien requinqués. Ça fait un mime. Ça fait un mime, mais voilà. Il faut prendre son mal en patience et. C'est incroyable. Content pour vous, content pour toi, Nico. Je me dis, je suis passé à deux doigts de vivre tout ça et c'est vrai qu'on est en manque total de nourriture, donc d'office. Ça nous donne envie d'y être. Et il y a le jeu d'immunité qui arrive, donc c'est bien parce qu'ils ont repris des forces. Ça va les avantager. Ils sont tout propres comme des sous-neufs. Ah,
Ça va. Avec la petite fleur et tout, c'est classe. Hein. C'est trop joli. Ça fait du bien, ça doit repinquer. On m'a mis sur les habits. Ouais. J'ai une robe. J'ai une pantalon short. Dans le bain. Ça fait du bien. Ça remet les compteurs à jour, ça se voit. Ah ouais. Bien, là, pour... Ce moment de l'épreuve, ça fait du bien. Oh, c'est sûr. Ah oui. Mais c'est sûr à que... À 10 jours de la fin, ça te... Ça file la patate, ça va faire du bien. Tant mieux, hein, c'est mérité, tu l'as gagné. Ah, elle a bien profité. C'est sûr qu'un confort, ce sont des forces en plus, notamment pour briller dans l'épreuve d'immunité. Une bouteille, les amis. C'est au poids que se mesure votre destin. À la boue. Je pense comme tout le monde que c'est la boue. La seule chose qui peut me sauver, c'est de gagner l'épreuve d'immunité. Il n'y a qu'à regarder l'osmose du groupe. J'ai du mal à croire que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va voter contre quelqu'un dans, entre eux, quoi, là-bas. Et un tel a gagné, et puis voilà. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Karima, quand je vous regarde, j'ai l'impression que vous sortez de chez le coiffeur. C'est la récompense ? Oui, Denis. Ça fait du bien une récompense comme celle-là ? Je pense que c'est la plus belle récompense depuis la réunification, même voir depuis le début, quoi. C'était vraiment beau. Et vous, Nicolas ? J'ai béni mon ange Gabriel plusieurs fois de m'avoir permis de participer à cette épreuve. Parce que ouais, c'était vraiment extraordinaire. Les récompenses dans Koh-Lanta, c'est ce qui marque, c'est sûr, une aventure. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, vous le savez, c'est l'immunité. Vous êtes encore 8 face à moi. Et votre objectif suprême, c'est d'être intouchable au prochain conseil. Nicolas, Cécilia, le totem que vous avez gagné tous les deux est remis en jeu. Merci. Et ne vous y trompez pas. Le totem, cette fois-ci, il repartira avec un seul aventurier, le gagnant de l'épreuve d'aujourd'hui. C'est un must de Koh-Lanta, l'épreuve de la boue. Vous allez devoir aller le plus vite possible et autant de fois que vous le souhaiterez, vous plonger dans la boue. Et ensuite, enlever cette boue et la placer dans le seau marqué à votre prénom. Vous n'avez pas le droit de mettre de la boue sur la tête. Vous n'avez pas le droit de porter de la boue dans vos mains et dans vos bras. Pas de boue dans le maillot de bain. Autrement, tout le reste compte. À la fin du temps imparti, je pèserai chacun des seaux et c'est évidemment le seau le plus lourd qui permettra à son propriétaire de remporter cette épreuve d'immunité, de repartir sur le camp avec le totem et d'être intouchable demain soir au conseil. Attention, c'est vraiment le meilleur soin pour la peau que je connaisse, cette épreuve de la boue. 3, 2, 1, go! Pas une seconde à perdre, tous foncent vers le bassin de boue, essayez d'en récupérer un maximum. Les aventuriers ont le droit d'utiliser toutes les parties de leur corps, seules interdictions, en avoir dans les mains ou en empiler sur la tête. Allez, Karima, Pascal. Les filles utilisent leur longue chevelure, mais les garçons ont plus de surface. Alain, Nicolas. Innovation, Gabriel, le policier belge, en met dans sa bouche. C'est autorisé, mais sans doute très désagréable. Pascal, il est de plus en plus dur de tenir le short, hein ? Ouais. Les minutes passent, les seaux se remplissent peu à peu. Qui en aura le plus et remportera le totem protecteur ? Difficile à dire. Il vous reste 4 minutes. Personne ne transige. Tous se recouvrent totalement. Mais il y a deux options différentes. Soit multiplier les allers-retours, soit en mettre plus par trajet.
Gabriel et Karima sont ceux qui font le plus d'allers-retours. Est-ce que c'est ce qui va payer? Il reste 2 minutes. Et une bouchée de plus pour Gabriel. Il se donne les moyens de réussir. Vous entamez votre dernière minute. Yeah. 30 secondes. Les aventuriers sont méconnaissables, mais motivés. Personne ne ralentit. L'heure du verdict est arrivée. Qui a collecté le plus de boue? Qui a le saut le plus lourd? Alain, vous êtes le plus âgé. Je vais vous demander de placer votre saut. Alain, le premier duel. Savoir si votre saut est plus lourd que celui de Cécilia. Oui, oh. Oh, elle a envoyé Cécilia. Oh. Assez lourd à porter. Ah, c'est haut aussi. Ok, lâchez. Je crois qu'il n'y a pas photo, Cécilia. Vous prenez l'avantage pour vous, Alain, c'est terminé. Je vais vous demander de reprendre votre saut. Karine, à vous. Et non, Karine. Cécilia, vous gardez l'avantage. Pascal, à vous. Balance s'est inversée lentement mais sûrement. Pascal, c'est vous pour l'instant qui avez le saut le plus lourd. Cécilia, pour récupérer le vôtre. Face à Pascal, sur la balance, le saut de Gabriel. C'est net et sans bavure. Votre saut, Gabriel, est plus lourd. Pascal, c'est terminé. Karima. Karima, c'est mieux que Gabriel face au test de la balance. À vous, Wendy. Mais ça ne suffit pas, Wendy. Pourquoi? Ah oui, je crois que vous pouvez le reprendre tout de suite. La balance n'a pas bougé d'un millimètre. Duel final. Karima qui mène ou Nicolas qui doit poser son saut. Allez-y. Et la victoire, elle est pour Karima. Bravo, Karima. Deuxième victoire dans une épreuve d'immunité. Deuxième victoire consécutive et troisième victoire en tout depuis la réunification. Bravo. Gabriel, ça s'est joué à pas grand-chose. Et vous, vous avez opté pour une tactique qu'on n'a jamais vue encore dans Koh-Lanta. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux autres? Parce que je ne suis pas persuadé qu'il l'ait vue. En plus d'en mettre sur mon corps, comme vous avez dit, pas dans les bras, pas dans les mains, ni sur la tête, j'en ai mis en bouche. Ça a quoi comme goût? Voilà, c'est boueux, mais je m'en fous. Hier, j'ai mangé des larves de fourmis, donc je me suis dit, je m'en fous, je prends là où je peux en mettre. En tout cas, Karima, vous remportez de la plus belle des manières cette épreuve d'immunité. Ce totem, il est pour vous, et vous êtes intouchable demain au conseil. Bravo. Merci. Bravo. Tous les autres, vous le savez, vous risquez une élimination brutal. À demain soir au conseil. À demain.
Karima est heureuse, mais la météo ne lui laisse pas le temps de savourer sa victoire. Les naufragés rentrent sous une pluie battante. Une arrivée humide, hein. Voilà, c'est dommage, on s'est tous fait avoir comme des bleus. Voilà, je prends une douche. Pas de shampoing, mais c'est de l'eau de source. Ça fait du bien. Tiens, mon bain, il est loin. Hein. Et pourtant, hein, c'était hier. Hein. J'ai gagné l'épreuve de confort hier avec Nico. C'est vrai que là aujourd'hui, bah, vu que j'ai l'immunité, je me sens pas concernée de quitter l'aventure. En revanche, je pense que Pascal, il est probablement en danger parce que beaucoup de personnes ont vu un peu son jeu assez stratégique. Et ça plaît pas beaucoup aux gens. Je vais créer un feu ici parce que en bas, ils ont envie de saturer à 7 en bas. Leur cabane, elle est pas assez étanche. Ce soir, ça permettra que peut-être au moins deux personnes peuvent venir se replier. Ici, au chaud, on sera trois et en bas, ils seront moins. Moi, mes affaires, elles sont secs. Je fais le feu et après, chacun fera ce qu'il veut. Là, ça doit être vu comme quelque chose d'égoïste, mais c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. C'est que ça va servir à beaucoup de monde. Je pense que c'est bon. C'est peut-être un peu pour fêter ma dernière soirée. C'est un signe. Ça en place. Et après, il y a des habits que vous voulez qu'on monte. Ça y est, c'est mis en place. Ouais, dans ce petit moment, ouais. Pascal fait bonne figure malgré son inquiétude. Il pense partir au conseil. Le promoteur tâte le terrain côté Karima et flatte l'ego de la jeune militaire. Pour moi, je vois deux clans. Je vois un clan qui est fort, c'est Nico, Gab et Cécilia. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'il y a plus. C'est une équipe et ce jeune qui ont gagné lors des épreuves, ouais, face à nous. Je me dis que c'est normal, parce que nous, on aurait fait peut-être pareil, tu vois. Donc il y a deux solutions. Une fois, on saute moi, ou ils décident de faire sauter, commencer à faire sauter des forts. Parce que moi, ou ils m'enlèvent parce que je les énerve, mais ils risquent rien avec moi. Les personnes les plus dangereuses au poteau, c'est toi, Karine et Wendy. C'est tout. Ils n'ont pas de mental, les autres. Ils n'ont pas, ils n'y arrivent pas. Nico, c'est celui qui a le moins de mental. Il ne s'accroche jamais. Regarde, je suis désolé, mais Gab et Nico, ils ont toujours lâché à chaque fois qu'il fallait se mettre en mental. Et ça, ils le savent, le problème, c'est vrai que pour toi, de victoire coup sur coup, ça fait du bruit, oh. C'est des gros moments que tu vis, oh. Bah oui, en fait, c'est au-delà. La veille, encore un, et au moment du vote, ça pèse énormément dans la balance. Énormément. Ça plaît pas. C'est vrai que t'es en danger. Peut-être pas demain, parce que c'est peut-être moi, mais la fois d'après, t'es en danger. C'est parti, la guerre est ouverte, hein. C'est normal. Hein. Voilà. Ben moi, tu sais que s'il me vire demain soir, tu n'auras pas mon vote. Ça, c'est clair. Merci. Ce que je dis, je fais. Donc, non, ça, non, c'est je vrai. Comprends, et honnêtement, avant hier, je l'aurais mis, je pense. Je te dis. Mais là, mais non. Non, il y a un respect avec ceux qui gagnent et tout. Il faut être bon joueur et on ne doit pas les faire sauter. Je suis content parce que voilà, il a dit comme quoi il ne voterait pas contre moi sur le vote noir. Malgré quelques péripéties avec Pascal, bah voilà, il m'a dit de très belles choses et il a réussi à me toucher. Bon, bonne chance pour toi. Je l'ai flatté sur le côté compétitrice, mais là, moi, je lui ai pas dit que d'un coup, c'est une fille super gentille. Elle a des choses que je ne serai jamais d'affinité avec elle, que des défauts voilà, mais on a tous nos défauts. Mais après, il faut dire ce qui est aujourd'hui sur la compétition, elle est au-dessus du lot. Donc, il faut respecter ça. Par ses confidences, Pascal s'évite peut-être un vote de Karima contre lui. Qui sait ? De toute façon, le Niçois ne tente rien de plus et profite des lieux. D'ailleurs, il va être temps de passer à table, sauf que le menu n'est pas très ragoûtant. Concombre de mer. Donc le concombre, tu mets les deux bouts. Ouais, les extrémités. Et après, tu l'ouvres en deux. Fais gaffe, il y a plein de viscères à prendre. Voilà, le fait d'être sur l'île et d'avoir faim, ça nous permet de relativiser complètement sur les aspects des nourritures. Je sais pas ce que c'est, ça a vraiment une texture, une tronche, mais ça se mange. Le concombre de mer, ou holoturi, est surtout apprécié en Chine et au Japon, mais il faut savoir le préparer. J'ai envie de faire le dernier, Nico. Tu veux faire le dernier, ouais? Ouais. Bah, écoute, avec plaisir. Allez, viens toi. Ah, vache!
Putain, il y avait pas. Ah. Mais qu'est-ce qu'il a mangé, lui? Il a mangé une pieuvre. Ouais. Il y avait pas ce truc rose. Perc. Putain, mais qu'est-ce qu'il a mangé, lui? Ah, c'est bizarre. Oh. Ça me plaît pas trop, là. C'est marrant de le voir faire. Et sa technique, ça fait technique vieux boucher. Oh, c'est finalement de merde, quoi. C'est dégueulasse. Putain, mais ça coule, ce machin, quoi. Alain, il fait quand même une petite tête un peu bizarre. Hein. Bah oui, après, Alain, il est habitué à la piperade de sa femme. Mais il pourra dire qu'il l'a fait, quoi. Il nous fait un petit filet. On dirait un préparateur de sushi japonais. Mais c'est bizarre parce que c'est un gros, gros, gros. Et finalement, après, il y a rien du tout. Le concombre de mer, c'est vraiment super bon. Malheureusement, durant la cuisson, il rapetissait très, très fort. Donc, un concombre de mer, ça devient vraiment un 3 cm carrés, quoi. Donc c'est très très peu, il en faudrait 2 ou 3 par personne. Mais il se cache bien, ces concombres de mer. Le repas est enfin prêt. Il est où, Pascal? Tu viens manger? Pascal arrive, le promoteur niçois a tendance à rester à l'écart. Leur discussion ne m'intéresse pas. Qu'ils me fassent à manger. J'allais pas faire la queue autour d'un feu, j'en avais un tout seul. Donc j'ai réuni mes bulots, je suis monté, j'ai fini mes petits bulots là-haut et c'est des bons petits moments. D'ailleurs, il remonte illico dans son repère. Pour manger mes bulots au chaud. Je mets les bulots sur ma petite bambou que j'ai fissuré pour que les flammes passent dedans et me les grillent un petit peu. C'est des petits plaisirs qu'on se fait. Une nouvelle recette, ça. Et c'est toujours meilleur, un peu chaud, grillé. Hop là. Ah, c'est un régal. Comme je pense que c'est ma dernière soirée ici dans cette grotte, je vais en profiter. Ils sont tous autour du feu. Et puis j'ai pas d'affinité en bas, c'est fini. Mais ceux avec qui j'avais des affinités, ils sont plus là. Donc j'ai pas d'affinité, je peux même pas dire. J'aimais mes soirées avec Juju, j'aimais mes soirées avec Steve, avec Laurine. Voilà, je les ai plus, donc pas rester pour dire de rester. J'ai pas besoin d'avoir du monde avec moi, là, encore. Mais la journée va être longue. Et voilà, petit repas terminé. Tranquille. Bon, bonne nuit, les Blancs. Bonne nuit, les Blancs. Bonne nuit. Neuvième réveil pour les naufragés restants, avec un conseil à la clé. Alain est matinal. Je vais dormir une demi-heure, trois quarts d'heure. J'étais mal. Même Nico, il était pas bien non plus, il avait mal au ventre. Il était pas bien, c'était... Si je me mettais sur le côté, c'était dur sur le côté de l'épaule. En plus, les fesses, ça... C'est un peu dur, hein. Et plus trop de graisse. Bon, on va faire avec, hein. On va essayer de s'accrocher, il faut tenir bon. Hein. C'est peut-être le concombre de mer qui est mal passé, mais il n'y a pas que l'intestin qui travaille le béarnais. Alain est bougon ce matin. Oui, c'est pénible parce que rien ne va. Rien ne va, quoi. Voilà. Normal, on ne mange pas. À ma vie, on mange au quotidien, on dort dans un lit, on est cocounier, voilà. Ici, on est seul au monde. Hein. Voilà, j'ai voulu faire Koh-Lanta, c'est nickel. Hein. Ça fait 11 ans que je veux le faire. Il faut que j'arrive au bout, il faut que j'arrive au bout. Je dors une demi-heure. Moi, je dors non-stop. Je chie. Et voilà, encore une nuit de fête. Oh, qu'il n'y a pas de sommeil au retour. Putain, je suis fatigué, j'en ai marre, hein, putain. Il n'a pas trop aidé non plus hier. Voilà. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas déchiré de l'eau non plus. Il ne fait pas grand chose. Tout le monde essaye de mettre main à la pâte, mais il faut qu'on soit tous soudés. Quoi. Le royaume, tranquille, il t'appelle quand c'est prêt. Si tu veux de mieux. Ça s'améliore un petit peu. Quoi. Donc, il faudrait qu'il mette un petit peu la main à la pâte aussi, comme tout le monde. Hein. On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Ah là là, Seigneur Marie-Joseph, le calme avant la tempête. Ça va être mon 10e conseil.
Ma seule petite stratégie, elle est de me taire, de me mettre dans mon coin, de passer pour quelqu'un d'inactif, pas quelqu'un de dangereux en compétition. Et ils vont me laisser tranquille en disant, bon, il sert à rien. Si je peux ne pas être un danger pour eux, que je passe à travers. Les gouttes, ça peut me faire encore 2 tours de manège. C'est jamais, hein. Tout le monde doit s'investir. C'est pas parce qu'on sait qu'on est à deux doigts de partir qu'il faut plus rien faire. Pascal n'aide pas beaucoup, mais ça, c'est pas sympa. On n'a pas le droit de se mettre à côté et de rien faire parce qu'on sait qu'on va être éliminé. C'est, l'excuse est là. Non, moi, je suis pas d'accord. On n'a pas le droit d'être feignant. J'aimerais bien que Pascal il continue d'être actif aussi parce que, mine de rien, il mange avec nous. Et bon, voilà, si c'est pour bronzer la journée et puis s'asseoir après à table, c'est pas chouette non plus. Voilà. Donc juste qu'il ait bien conscience qu'il est encore dans l'aventure. Donc voilà. Parce que je l'ai vu là. Il est allé chercher un peu de bois. Pas s'il a entendu des bois, mais là, je vais le faire. Il coupe un peu de bois et il a fait quelque chose. Après peut-être s'il pêche un petit peu, peut-être à voir. C'est bien. Fatigue. Là, il y a déjà un bon paquet là. Ouais. Ah, c'est bien ça. Bien. Bien, Pascal. Bon point pour Pascal. Mais aujourd'hui, celui qui donne les notes, c'est Nicolas. Il s'improvise grand organisateur. Donc combien en forêt cet après-midi? 3. Ok. À la pêche, du coup, vous faites quoi? Quelques bulots tout à l'heure? On essaiera de filer aussi. Ouais, s'il y a d'autres trucs à laver? Vaisselle? Nico, c'est un mec qui est bourré d'ego au maximum. Il est au taquet de son ego. C'est quelqu'un qui a besoin de gérer le temps. On a un Romain 2. C'est quelqu'un qui aime dominer sur le camp, qu'il faut qu'il organise. Limite, il faut lui demander une autorisation pour prendre une machette. T'as fait quoi de ta machette Elle est plantée sur le tronc. Il en manque une. T'en avais pas une autre en route? Il y en a une là, ouais. Okay. Fatigué. Hein. Fatigué. Là, quand on est fatigué comme ça, c'est un des mecs là aujourd'hui avec lequel ça peut déraper à tout moment, moi, avec lui. Je le supporte plus. Pascal est lassé des consignes de Nicolas et surtout, se sachant en danger, il est moins tolérant. Pour moi, ce soir en danger, il y a 2 personnes, c'est moi et Karine, je pense. Je pense que les jeunes, dans leur logique, ils doivent virer Karima et Karine, mais Karima, elle a l'immunité. Donc, il y a Karine. 5 copains ombres de mer. 5 ? 5. C'est top, Karine. Ouais. Karine, elle m'impressionne. C'est une femme forte, c'est une femme qui a une énergie. C'est une de celles qui se plaint le moins. C'est une de celles qui bouge le plus, qui fait le plus de choses sur le camp en général. C'est vraiment une femme forte, vraiment. Je ne sais pas trop encore contre qui voter. Parce que quelque part, j'aurais envie de voter contre Pascal, étant donné que c'est la personne avec qui j'ai le moins d'affinité. Mais quelque part, je me dis que c'est un des moins dangereux. C'est une des personnes que je redoute le moins, en fait. Donc au final, peut-être contre Karine. Je ne sais pas trop encore. Pascal ou Karine, je ne sais pas. Karine inquiète. La discrète albigeoise s'était faite remarquer lors de la toute première épreuve d'immunité individuelle. Bravo Karine ! Ouais ! Bravo ! Non, elle est forte, elle est forte. Bravo Karine ! Sa résistance avait épaté tous les aventuriers. Et c'est vrai que Karine est redoutable sur des épreuves de patience et on ne sait jamais de quoi demain l'épreuve est faite. Donc, si on veut, nous les jaunes, arriver jusqu'à l'orientation, il y a un choix tactique à faire, comme dans tout jeu, il y a des choix tactiques à faire. Après, si vraiment vous voulez relancer le truc en version sportive, et on non, prend... Non, 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 c'est pas ça. Non, mais je veux dire, si vous voulez, ok, partir sur Pascal, et puis garder quand même avec le risque, moi, je vous suis quand même. Mais sinon, je suis la démocratie des jaunes. On est complètement d'accord, tous ensemble. Il n'y a aucun problème, d'accord? Ce soir, je vote toujours contre Gabriel parce que l'histoire du sac passe pas, quoi. Donc je vois pas pourquoi je vais faire des cadeaux ce soir. De toute façon, moi, ma carte, c'était, tu le sais, c'est Gabriel. Je vote Gabriel jusqu'au bout. Oui, mais d'accord. Moi, je me suis dit, je vote ce soir Gabriel et comme je dois sortir, ma carte noire, c'est Gabriel encore. Voilà. Et hier, j'ai dit à Karima que je voterai jamais contre elle parce que pour moi, c'est quelqu'un de très compétitif qui est au-delà du lot et qui est au-dessus. Tu as quand même voté contre elle, Pascal. Non, mais j'ai dit à partir d'aujourd'hui. Mais je lui ai dit. Désolé, Pascal, je t'écoute plus, je suis dans les pensées. D'accord. Mais je te laisse profiter. Allez. Moi, je changerai pas d'avis. C'est Pascal que je souhaite voter. Après, bon, c'est vrai que ce qu'il m'a dit, bah, c'était gentil. Je garderai quand même un bon souvenir de lui malgré tout. Donc voilà, je
je veux pas me prendre la tête. Voilà. Allez les gars, on va préparer le sac. Une fois de plus, dixième conseil. Je vais voter Pascal, hein, pour essayer de sauver ma paume. Après, j'ai, ouais, le critère, c'est la sportivité et les affinités, forcément. On va voir ce que ça va donner. Alors, demain, on sera 7. Ça commence à s'étirer. On commence à voir le bout du tunnel. Karine a très peur. C'est parti. Pascal est résigné. Qui de ces deux anciens rouges reviendra du conseil? Réponse tout de suite. Avec cette victoire, la deuxième dans une épreuve d'immunité, la troisième en tout, Karima prouve sa détermination et sa rage de vaincre. Ce soir, clairement, il y a une alliance majoritaire emmenée par Gabriel et Nicolas. Et tous ceux qui n'en font pas partie sont en danger. À commencer par Pascal, qui s'est isolé. Il ne faut pas oublier non plus Karine, qui, elle, représente un véritable danger dans les épreuves. Pour tous les deux, le conseil de ce soir s'annonce difficile. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nouveau conseil, avec devant moi 8 aventuriers, 7 qui sont vulnérables et une qui est intouchable. C'est Karima depuis votre victoire dans l'épreuve d'immunité. Ça fait 3 victoires au total, dont 2 immunités. Qu'est-ce qui explique ces performances? Depuis le début de l'aventure, j'essaie d'être à 200% dans n'importe quelle épreuve. Je déteste perdre. La défaite, pour moi, doit être interdite dans mon dictionnaire. Je donnerai tous les moyens possibles pour gagner. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Pascal, vous, qu'est-ce que vous en pensez des performances de Karima dans les épreuves, que ce soit jeu de confort ou épreuve d'immunité? Moi, j'en pense, et je lui ai dit d'ailleurs, que je suis en admiration. Parce qu'en plus, c'est une femme et elle est au-dessus de nous. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure c'est la meilleure. Karine, que représente Karima pour vous? Moi, je l'ai toujours dit, Karima, c'est mon modèle. Hein. Elle a une force, elle a un courage, elle a un mental d'acier, une pugnacité qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est l'exemple à suivre? Complètement. Moi, c'est mon exemple, Karima. En tout cas, Karima, ses performances vous mettent très près du record dans Koh-Lanta, puisque les femmes les plus performantes sur une aventure ont gagné 4 épreuves en individuel. Ça vous motive encore plus? Là, vous venez de réveiller la Karima guerrière. Pascal, je me tourne vers vous. On se souvient de la fin de conseil houleuse la dernière fois. Comment se passe votre aventure depuis? Ben, depuis, ça se passe bien. Je fais mon petit chemin. Je suis discret, on ne me voit pas, on ne m'entend plus. Vous avez eu besoin de ça, de vous retrouver avec vous-même, après ce qui s'est passé? Après ce qui s'est passé, oui, et peut-être encore plus. Encore plus parce que je suis passé dans le rouge, donc j'avais besoin de recalmer la bête, comme on dit. Elle est retombée, cette colère? Ah oui, elle est totalement retombée. Et après, moi, la haine et la rancune, c'est pas mon truc, donc voilà. Vous avez pardonné? Ah, mais tout de suite. On vit des choses assez importantes ici, j'ai pas envie toute la journée faire la tête, c'est nul. Est-ce que Gabriel, vous avez parlé avec Pascal? Vous vous êtes expliqué? On ne s'est pas expliqué, parce que j'avais pas envie de raviver certaines flammes. Mais je me suis dit, il faudrait que j'aille et qu'on ait une petite discussion, de passer, de tourner la page. Et vous avez hésité? Je suis pas un sale type, je suis... Non, je sais. J'aime bien les gens, je suis gentil et moi, j'ai pas de rancune non plus, j'aime pas les conflits du tout même. J'essaie d'arranger tout, j'essaie de tourner toujours tout à la rigolade. Et... Enfin, là, il y a eu quand même un vrai problème. Oui, il y a eu un problème, c'est vrai. Mais la discussion, elle sera là, mais ce sera une discussion de tous les jours, de deux personnes qui se rencontrent dans un bar autour d'une bière, et voilà, ce sera cette discussion-là. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Et même, je préfère même pas reparler, oui, mais le sac, mais t'aurais dû, mais moi, oui, mais toi, non. Ça sert à rien, il a eu son point de vue, j'ai mon point de vue encore aujourd'hui. On va pas en discuter 20 ans, on avance et on continue. C'est fini, à faire classer. Koh-Lanta, ce sont des moments exceptionnels que vous vivez depuis 30 jours. Face à moi, il y a 8 aventuriers qui rêvent de gagner, et pourtant, pour l'un ou l'une d'entre vous, ça se terminera ce soir brutalement après le vote. Wendy, vous êtes la première à aller voter. Allez-y. Karine, malheureusement, il faut en éliminer. À vous, Karima. Pascal, je vote contre toi.
Désolée, mais il faut voter pour quelqu'un, donc c'est toi. À vous, Karine. Beaucoup trop stratège à mon goût. Je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas les marionnettes. Allez-y, Pascal. Je ne peux voter que contre toi ce soir, je suis désolé. C'est votre tour, Alain. Allez-y, Gabriel. À vous d'aller voter, Cécilia. Et enfin, Nicolas. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne vaut 8 bulletins, je vais en ajouter un 9e, c'est le vote noir de Laurine qui a été éliminée avec Steve lors du dernier conseil. Avant le dépouillement, je me tourne vers vous, Pascal, et vers vous, Gabriel. Vous avez été sur l'île au collier. Si vous en avez un, est-ce que vous souhaitez le jouer ce soir? Ni l'un ni l'autre. Tout de suite, le dépouillement. Pascal. Karine. Pascal. Gabriel. Karine. Deux votes contre vous, Karine. Deux votes également contre vous, Pascal. Et un contre Gabriel. Karine. Karine. Quatre votes contre vous, Karine. Deux contre Pascal. Un contre Gabriel. Voici l'avant-dernier bulletin. Il peut déjà être décisif. Karine. Karine, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas, vous le savez, l'issue du vote. Karine. Karine, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Karine, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Karima, ma chérie, ma poulette, tu peux aller au bout. Tu peux remporter toutes les immunités et je sais que tu peux le faire. Fais-le pour moi. Merci. Avant de partir, il vous reste une mission, le vote noir. Il va falloir mettre le prénom d'un des 7 qui sont face à vous. C'est un bulletin que je placerai dans l'urne lors du prochain conseil. Tenez, Karine. Merci. Au revoir. Au revoir, Denis. Karine est très triste. Elle se sentait capable d'aller tout au bout de l'aventure. La semaine prochaine, ce sont les grandes manœuvres. On renverse la machine de tout ce qui était prévu, on chamboule le jeu, on remet toutes les cartes à zéro. Gabriel se pose des questions. Je suis à deux doigts de les suivre, parce que le but étant de sauver ma peau aussi. Pascal échafaude des plans pour encore sauver sa tête. En fait, la cohésion des 5, elle y est peut-être plus. À moi de glisser un doigt dans une faille, j'ai vu une faille aujourd'hui qui a été énorme. Karima est remontée. C'est ça le jeu. Maintenant, on va jouer. Mais je vais me battre.
La tension est palpable sur le camp. Ouais, ouais, prends pas ton air comme ça, je te le dis, Nico, joue pas avec moi. Je n'ai même pas eu le parce que j'aime pas ta tête de faux cul, elle joue pas avec moi. C'est 10 fois des sous-entendus, et les sous-entendus, ça me fait disjoncter. Koh-Lanta, les alliances en balance. C'est vendredi à 20h55 sur TF1. Je suis émue parce que je voulais encore continuer. Forcément, sur les poteaux, je me disais que j'avais toutes mes chances. Et effectivement, c'est ce qui leur a fait peur. Ce qui est malhonnête dans la stratégie des ex-jeunes, c'est qu'ils disent qu'ils ne font pas de stratégie, alors que ce n'est pas du tout vrai. Leur stratégie, c'est leur alliance, depuis toujours. Malheureusement, il faut en éliminer. Simplement quand je n'ai moins d'affinité avec toi qu'avec les autres filles. Tu es la personne avec qui j'ai le moins d'affinité, et puis sportivement, tu es quelqu'un d'assez redoutable. Tu es quand même quelqu'un de dangereuse, donc mon choix s'est porté sur toi. C'est pas par gaieté de cœur du tout, mais pas ce qu'il faut.